Alors, comment insérer le symbole créé sur AutoCAD Electrical dans la palette d'outils? Pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous allez donc dans le menu Vue et sur l'icône ici Design Center. Ça vous ouvre cette fenêtre-là dans laquelle vous retrouverez votre fichier qui est pour moi TD Symbole 2020 tuto. Et je recherche ensuite, vous cliquez sur bloc ici. Et il va vous afficher tous les blocs créés dans votre dessin. À partir de là, vous choisissez le bloc que vous voulez rajouter dans la bibliothèque. Moi, je vais prendre le bloc de la lampe qu'on a créé précédemment dans un autre tutoriel. Donc la lampe 01. Pour ce faire, deux solutions. Soit clic droit, vous créez une palette d'outils. Et à ce moment-là, il vous crée une nouvelle palette d'outils que vous renommez. Je vais mettre tuto pour l'instant. Ou autre solution, vous vous placez sur une palette d'outils que vous utilisez déjà et vous prenez votre symbole et vous venez le glisser dans la palette d'outils. Voilà, et il se place ici, lampe 01. Donc désormais, on peut quitter le Design Center. Et à partir de là, si j'ai besoin de réutiliser mon symbole, je clique dessus et je viens donc le placer où je veux sur mon schéma. Et comme on l'a créé tout à l'heure, on peut faire modifier le symbole et venir lui donner tous ses attributs. Voilà pour la gestion de la palette d'outils.